Aujourd'hui les gars, récompense Rivals. Donc avant ça, on a trois petits packs en boutique qu'on va aller ouvrir. C'est pas des gros packs, hein, c'est le pack que j'ai récupéré en défi, je sais même plus lesquels en vrai. On va vite ouvrir ça, on sait pertinemment que bon, avoir un truc là-dedans, c'est synonyme de miracle, hein, clairement. DC Anglais United. Bah non. Ah bah oui, bah oui. George, bien évidemment. Vous avez oublié. Ah bah 3, ah bah superbe. Ah bah, on commence bien le pack opening là. Ouais, c'était des trois petits packs pas forcément utiles que je garde. En fait, j'ai toujours peur d'ouvrir des packs en off. Et derrière, paquer un énorme truc et pas pouvoir vous le montrer, tu vois. Attends, DG. Moi, j'ai bugué, j'ai cru que c'était un joueur silver. Bon, on en a paqué, hein, voilà. Ok, ah bah cool, merci beaucoup. Alors, je vous avoue que je vais pas le jouer, mais ok, je m'attendais à un joueur silver, je sais pas pourquoi. Totalement bourré, moi. Bon, ça vaut rien, ouais, 11 000, ok, bon, on va garder pour un SBC, quoi. Marrant. Bon, on en a paqué, hein. Voilà, c'est fait, c'était simple. Fin de live, merci beaucoup. Yeah, les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Alors du coup, on va récupérer les récompenses Rivals. Du coup, je pense qu'on va prendre un non vendable, hein, histoire de tenter de packer quelque chose de lourd. Et puis, sa division 1, c'est parfait. On récupère et on a aussi les récompenses fin de saison et donc apparemment ben voilà, c'est des tifos super. C'est scandaleux. Et ben voilà, pour avoir joué 60-90 matchs dans FIFA, on vous offre un tifo. J'espère que vous êtes content parce que moi je le suis, hein. Ah ensuite, ok, ouais, on est bon, parfait. J'aime bien la division 6, moi ça me va, laissez moi tranquille là, c'est grave, hein. RT pour tous ceux qui ont tryhardé les 90 matchs en pensant que éventuellement ça allait changer. Je pensais aussi, hein, que ça allait changer, mais bon bah apparemment c'est un non. Alors du coup, ouais, on a deux packs méga rares et deux packs prime élément joueur or à tout moment, les gars. On pack encore un petit truc, hein. Ah ouais, d'accord, donc c'est le silver. J'ai vraiment cru que c'était une carte silver tellement les packs j'y croyais pas une seconde. Je suis grave, hein. Dani Olmo, j'ai pas regardé s'il y avait des SBC intéressants. En vrai, je vais peut-être aller voir avant de balancer tous les doublons. J'ai pas regardé ce qu'ils ont mis à jour. Défi Centurion 3, j'avoue que ça, on s'en fout un peu. Ça donne quoi, pack mais bref. Andrea Pirlo, double renfort. Ah, double renfort 84. Double renfort 84, j'aime bien. Hop là. Et voilà. Et en fait, le problème des icônes Centurion, c'est qu'ils prennent plus 1 en stats, comme j'ai dit. J'ai pas forcément envie de mettre mon budget là-dedans, quoi. Tu vois. Ça, le problème, moi, je sais jamais vraiment quoi faire, avec mes crédits et mes joueurs et tout. Tu vois, je suis pas. Il y a des joueurs qui m'intéressent, tu vois, à tester, mais en fait, j'ai toujours peur de balancer mes crédits dedans. Animé ? Ouais, par héros. 86 de général. Pas dégueulasse. Et puis un petit boost. Zanotti à l'intérieur. Sympa le petit pack. Ça permet les petits SBC et tout. Ah, par héros. Aïe, ça c'est dur. Beckham, le problème qu'il y a avec Beckham, c'est que bon, après 36 jours. Hein. Au pire, on en fait un par un, et puis voilà. Hein. Vas-y, on va faire Beckham. Au moins, on l'aura dans le club, même si on va pas l'utiliser. C'est ça qui me saoule, c'est, tu vois, de faire un truc que je vais pas utiliser parce que je sais pertinemment que ben j'ai mieux, quoi. En fait, Beckham, mettre dans Beckham, c'est con parce qu'il aura une meilleure version très très vite. C'est ça le problème, en fait. C'est ça qui m'énerve. Tu vois. Bon, on fera Son à terme, hein. À terme, ça sera Son, hein. Clairement, c'est ça qui va se passer. Pourquoi ? Parce que je vais toujours avoir une équipe un peu cheatée sur le côté pour faire les défis là, rapidement, genre fut champion et tout, tu vois. Ça sera beaucoup plus pratique pour nous. Deuxième pack méga rare, DC. Ah mince, là, ça sera pas animé, hein, malheureusement. Je crois que là, non. Là, c'est pas oufissime. Hein. Oh là là, il fait mal ce pack, qui est dommage. Le pack joueur extrêmement rare, c'est le pack vendable qu'on vient d'avoir avec le SBC, du coup. Anglais. Défenseur gauche, Manchester, on l'a balancé juste avant. Alors on le récupère avec Renato Steffen. Et donc du coup, bah les deux 84 plus, hein, les gars. Ça peut taper là-dedans en vrai. Hein. Allez, bonne chance à nous. Maroc, gardien, Bonou. Putain, on fait pas une animation, dommage. 80. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, une animation pour le deuxième minimum, hein. Bah, apparemment pas, hein. Ah ! Même pas d'animation. Ouais, c'est dur, hein. Pack Prime, joueur mélangé vendable, c'est celui du SBC. Et comme vous l'avez pu le constater, on a quelques points. Ça va vidage la boutiquasse. Andale, andale. Ça va, ça va. Chaque fois pareil, hein. Allez, on est en route pour une icône, hein. Je vous ai pas rappelé, mais on pack une icône aujourd'hui, normalement.
c'est aujourd'hui. Thomas Müller. Pardon. Et un joueur boosté. 10 000 crédits. Ah, 12. Ah ouais. Ah ouais. J'ai envie de vendre tout mon club. Enfin, attendez. Quand je dis ça, j'ai envie de vendre tous les joueurs vendables de mon club. Même les petits trucs, au pire les jeter, pour récupérer un maximum de thunas. Mbappé, ta daronne, au bout d'un moment, Eugénie, j'apprécie beaucoup tout ce que t'as fait pour le foot féminin. Je suis vraiment content pour toi, mais tu me pètes les couilles, ça veut dire dans chacun de mes packs en fait. Vraiment, y a rien contre toi. Moi j'ai même vu voir des matchs pour toi, parce que t'étais Eugénie Le Sommaire et que tu... Voilà. Mais là non, en fait, c'est trop. Allez, ceux-là je les aime bien. Ça c'est mes packs, j'aime bien moi. 45 000 crédits, j'aime bien ces packs. Je suis sûr qu'on peut taper des trucs lourds dedans. Bah voilà, Toni Kroos, premier pack. Tu vois ? Et j'aime bien ces packs. Boom ! 86, let's go. Petite animation qui fait plaisir. Let's go. On prend. Sur l'application, il n'y a pas les packs des 90 matchs. Rivals, c'est normal. Il n'y a pas, c'est que des tifos. Ils ont mis que des tifos. Anglais, défenseur droit. FC un Barcelone. On la connaît. On l'a packé 1800 fois. Bronze. Sympa. Animé. Les amis, on arrive sur les gros packs de cette vidéo. Ce sera les derniers packs ici pour essayer de chatouner. Ah là là. Français. AC. Milan. Hein ? Benzema ? Bah oui, Benzema. Bah bien sûr, Benzema. Oh, le tacle. Oh, il est vénère. Oulala, il est fâché. 90 Benzema, les gars. C'est solide. Très, très beau. Et Sterling à l'intérieur. Ouais, sympa. Ça vaut combien, un petit Karim ? 60 000 crédits. Ouais, j'ai envie de le lister. J'ai envie de me prendre les crédits. Voilà, on prendra les crédits sur lui. Allez là, un petit centurion. Il nous reste seulement 3 packs pour espérer un petit centurion pour le kiff. C'est un truc, là, non ? Oui, c'en est un. Pays-Bas MC. C'est qui ? Oh non, ça doit être nul. C'est quoi ? Je sais plus. Ah non, c'est un boost. Putain, j'ai cru que j'avais un centurion. Moi, je sais plus reconnaître. Moi, je suis perdu, moi. Je suis perdu, en vrai, les gars. Allez, dernier pack à 50 000. Avec un Allemand. MC Kroos, du coup. Ouais, ok. Encore un petit Kroos, on va pouvoir faire un petit SBC. Très, très bien. Les gars, c'est récupéré. El Chitos Bambinos est dans le club. Heung-Min Son. Donc pourquoi ? Parce que beaucoup de doublons. Au final, ça nous a coûté 20 000 crédits. C'est pas énorme. Et ça reste un joueur qui va rentrer dans l'équipe, clairement, Chitos. C'est un des meilleurs buteurs du jeu, hein, très clairement. Et du coup, les 5 étoiles font que sa statistique ici, but avec la frappe en finesse, fait que tu peux, dans toutes les positions, frapper en finesse avec lui. Et il est très, très dangereux. Bien évidemment, il peut aussi jouer à gauche. Donc, c'est assez cool aussi pour les créations d'équipe. Donc, voilà, Heung-Min Son est dans le club. Par contre, ce qui reste à faire, c'est d'ouvrir ces petits packs-là de flux de champions. Mais dans la vraie vie ou dans FIFA ? Parce que dans FIFA, ça va être dur, hein, vraiment... Oh, animé encore là. Let's go. On en fait des animations quand même, hein. C'est pas négligeable. Hein. Joueur que je kiffe et que personne ne connaît. Ah, c'est compliqué parce que ça faut aller chercher dans mon équipe au pire Servette, tu vois, qui les joueurs sont un peu moins connus. Qui c'est que je dois te dire ? Animé ? Oh, let's go. Cool ça. Attends, 86 en vitesse ou 76 ? Ah, quand même. Attends, mais il y a un truc avec elle, non ? Ah ouais, non, quoi qu'elle a pas forcément des attributs vraiment fous, quoi. Pack méga. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur ici. Un défenseur gauche espagnol, FC Barcelone, ça va être Balde. Voilà. Pas fou. Pack deux éléments, joueur or rare, noté 84+, c'est le premier. Il y en aura un deuxième à faire derrière. Apparemment, ça va pas voler bien haut. Brésil, c'est assez rare quand même, mais là, ça va être vrai. Thiago Silva, ok. Pas animé. Putain, quand t'as 84+, c'est dur. Dernier pack du coup les gars. Ouais, je crois qu'encore une fois, ces packs là veulent pas de nous. Hein. Ah si quand même, pardon. Excusez-moi. Je pensais pas que c'était aussi haut. Waouh, sacré carte, hein, Mappy Leon quand même. J'ai cru que c'était pas animé. Autant pour moi. 89, ok, ça c'est cool. On est content, on prend. Oh putain. Oh. Non mais attends, ça doit être méga fort ça. Et attire en finesse aussi. Ok. Les gars, je suis atteint d'une maladie, j'ai envie d'aller faire une draft. Peut-être pas faire ça, hein. Je sais pas trop.